tout dire dans ce film parce que notre histoire est trop belle. Heureuse de vous annoncer que mon film a été sélectionné pour le grand festival de Blainville qui va être diffusé dans plus de 100 pays! Ça, je pense qu'on prend non. Pas. C'est une question de talent. Pas d'habitude. OK. Ouais. Il y en a un jeu à Galaxy 300 chez nous. On va voir si c'est une question d'habitude ou de talent. Ah, ça me dérange pas, mon n'importe quoi. Je te parie qu'après 3 pratiques, je te clenche. Ah ouais? Pourquoi on fait pas ça soir? Soirée chez nous avec un film? Ouais, ça va être cool, mais c'est la fin, j'ai premier BA que je passe la soirée avec elle. Oh, j'ai promis la même chose à Dali. Merci. Hey, on remet ça. Ouais. Très bientôt. Mais attends. Pourquoi on fait pas ça à 4? Hein? Souper avec nos blondes. Hmm? J'ai la maison en mode seul, fait que... À 4? Ouais. OK, ben je peux en parler avec Béa. Ouais. Ben oui, Béa va vouloir être avec Dali. Ouais. Un souper de quoi? Hey, bonne idée. Hey, c'est drôle, ça fait longtemps que je vous en parler, ça tombe vraiment bien. Ouais. Hey, les 3 couples ensemble, ce serait vraiment cool. Non. Non, c'est pas vraiment ça qu'on avait prévu. Okay, mais puis c'est de... Vous venez d'en parler. Hey, les 6 à table, ça va être trop drôle. Ouais, non, mais non. C'est parce que vraiment pas ça qui était prévu. Okay. Ben, je vais en parler avec Émilie, puis de toute façon, c'est sûr, elle va dire oui, là, elle vous adore. Sauf toi qu'elle t'aime pas trop, là. Ah, mais... non. Non, c'est pas vrai, là. Fait que je lui en parle, mais je reviens te voir pour confirmer. Ouais, mais... Cool. Ça me... Hey, salut. Il y a pas question que je passe la soirée avec lui puis sa blonde. No way. OK, bien. Si Émilie est là, il va être tranquille. Tranquille? Oui. Carl? Oui. Mais non, tu m'as là. Je suis pas capable de supporter ce gars-là, OK? Je voudrais passer la soirée avec toi puis Dali. OK? C'était ça ta proposition. Regarde, là. Est-ce que c'est de ma faute si tu t'es entendu? Non, c'est pas une raison pour l'inviter. C'est pour moi que l'inviter, c'est lui qui s'est invité tout seul. OK? Il est déjà parti à partir sa blonde. C'est ce que je fasse. Ben, on a juste à lui dire qu'on fait ça à 4, là. C'était ça qu'on avait prévu, là. Quoi, c'est à moi de dire? Parce qu'on fait ça chez toi. Okay. Et pour vrai, c'est chiant de faire ça à 4 puis Émilie. OK. Ben, okay. Moi, je vais passer ma soirée avec Béa, puis il n'y en a pas de problème. OK. Je vais voir ce que je peux faire. C'est correct, là. Hein? All right. Merci. Puis pour la question 2B, ben, c'est un triangle rectangle, donc ça veut dire qu'on peut faire. M'écoutes-tu? Excuse. Oh, oui. Ça va? Non, c'est juste que. Tu sais, les élections sont dans 4 jours, fait que je suis vraiment, vraiment stressée. Tu vas être élue présidente de l'école, c'est sûr. T'es où? Y a rien qui est certain. Y a plein de choses qui peuvent arriver d'ici, là. Mais bon, hein? On s'en fout. Là, on va parler de Pythagore et des triangles rectangles. Ça va nous changer les idées. Hein? Tu sais, on peut parler des triangles une autre fois, là. Moi non plus, j'ai pas trop la tête à ça. Comment ça? Rien, des affaires pas importantes. OK, d'abord, c'est qui? Pourquoi tu dis ça? Ok, niaise-moi pas, je sais que t'as embrassé Abeille au party. Comment ça se fait que tu le sais? Béa l'a écrit sur son blog. Hey, tu niaises, là, t'es pas sérieux. Théo, t'as fait ça dans un party. T'attendais vraiment à ce que ça reste secret? Oui, mais c'est pas une raison pour mettre ça sur le net. Non, ça c'est pas important. L'important c'est. Est-ce que vous êtes ensemble? Ben non, pis. Attends, wow, comment ça non? Et vous êtes embrassé 2 fois, vous sortez pas ensemble. Les 2 French, c'est pas des fiançailles non plus. Je pense que je devrais demander si... Je sais pas trop par quel bout prendre ça, là. Mais toi, là, est-ce que t'es intéressé? Je sais pas. Peut-être que oui, mais... Toi, là, est-ce que tu sais si... Abeille, ça y tente? Je pense que je suis pas vraiment la bonne personne, hein? Mettons que Rose est pas mal plus proche d'Abeille que moi. Était plus proche. Là, ils sont en grosse chicane, là. Ça fait un bout qu'ils sont pas parlé. De toute façon, c'est juste ça pour m'ôter du stress, là. Je vais aller demander, je sais juste pas comment faire ça sans avoir l'air niaiseux. Théo, arrête de te faire peur. Là, ce qu'il faut que tu saches, c'est est-ce que tu veux sortir avec? Ben, si elle s'y tente, peut-être, là. Oh! Ben, c'est simple, t'as juste à lui demander si elle est intéressée. Ce qu'il veut dire? Ben, tu vas la voir directement, tu fais ça simple, c'est tout. Hey, méchant gros conseil, hein, j'aurais jamais pensé à ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Tu veux que je te parle de lettres anonymes, de détectives privés puis d'espionnage? Non, c'est pas ça. C'est juste que
Je veux pas avoir l'air du gros épais qui rentre avec ses gros sabots. Ben, t'as juste à pas être trop intense, puis à faire ça tout simplement. Facile à dire. Hey Sam, tu veux une monnaie? Ah non, 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 j'ai une pièce en quelque part. Ah non, regarde. Hey. Merci. C'est quoi? Ouais, je te redonne demain. Hein. Oh non, t'es fou, là, c'est une pièce, c'est un cadeau. Merci. Faut que je parle pour asseoir là. Ah, mais justement, Émilie a capoté quand j'ai parlé du souper, tout là. Elle même allé acheter des affaires pour préparer une entrée. Vraiment cool, là. Ouais. C'est cool aussi que Diego puis Béa soient là. Ouais. Qu'on boit ton jus. Oui. Non, c'est ça, c'est cool qu'ils soient là parce que même si Diego et moi, on s'entend qu'on n'est pas les meilleurs chums au monde, mais au moins, on va pouvoir se parler, puis. Non, ça marchera pas à soir, là. Hein? Comment ça? Parce que je pensais avoir la maison. Finalement, Suzanne, Rose, puis Henri vont être là. Non, man, ça, c'est pas un problème du tout, là. Je peux faire ça chez nous. Mon père revient à 10 h tous les soirs, C'est juste que c'était pas ça qu'il était prévu. Puis ça? C'est juste que le kick, c'était comme. On fait ça chez nous. Sam, on s'en fout où on le fait, là. L'important, c'est qu'on le fasse. Ouais, mais. C'est pas grave, là. Hein? On peut faire ça sur toi, là. Ça fait que ça. C'est quoi, là? Ça tente plus. Tu veux pas qu'on fasse ça tous ensemble? Mais non. Mais non, au contraire. Ok, cool. Parfait. Fait que j'appelle mon père, puis je vous appelle tous pour confirmer. À tantôt. Salut. Allô. Je viens de croiser Théo, puis ben. Il était pas tellement jasant. Sais-tu qu'est-ce qu'il y a? En fait, il est pas mal préoccupé ces temps-ci. Ben. Par quoi? Non, c'est rien d'important. Hé, hey, t'as pas l'air d'aller mieux que lui, toi? Parce que moi, je suis pas mal stressée avec les élections qui s'en viennent. Oh, c'est pas Jean-Paul. C'est toi qui vas le gagner à ces élections-là. Oui, tout le monde me dit ça, mais on dirait que j'ai quand même un doute. Arrête de stresser, là. Ça sert à rien. Ouais. Oh, il est tellement beau, cet acteur-là. Tu trouves? Non. Et tu trouves pas? Ben, il est correct. Correct, correct? Ben. Oui, c'est sûr qu'il est beau, bon. Mais mettons que. Je donnerais peut-être un 8 ou non, un 7,5. Ok, 7,5 sur 10. Mais non, c'est sur 100. Et oui, sur 10. Ok, ça serait quoi un 9 d'abord? Un 9, faudrait qu'en plus d'être beau, il soit fin pis drôle. Mais là, si ce gars-là il est fin pis drôle, ben il y a 10 hein, ou 11. Tu donnerais combien, mon chum? Ouf, ça dépend des jours. Qui a pensé au souper de ce soir? Samuel. Ah, un peu pour lui. Ok. Ben, je vais dire à Diego qu'il se prépare pour battre Samuel ce soir. Ouais, mais pour ce souper-là, je suis pas vraiment sûre que ça me tombe. Oh, vite, hein, là. Ça va te changer les idées. Mais qu'est-ce que tu vas faire à la place? Tu vas rester toute seule chez vous à stresser pour les élections? Pourquoi pas? Il est des losers? Ah, toi, t'es méchant. Viens, s'il te plaît. Ça va être le fun. Hey, j'ai un conseil à te demander. Ok. C'est au sujet d'une fille. Ok, c'est au sujet d'abeilles. C'est quoi, là? Tout le monde est au courant? Un French dans une soirée, c'est pas super subtil, Théo, là. Deux French. Ben, raison de plus. Ben, regarde, pourquoi tu viens pas chez nous à soir? On est en train d'organiser le plus gros souper de coupe de Valmont, tu sais. Ouais, ben, justement, je sors pas avec. Puis, je sais pas trop comment demander ça, là. Ok. Fait que tu penses qu'elle t'aurait Frenché pour le plaisir? Ben, je pense pas, là. Pourquoi? Non, je peux pas croire qu'elle m'a Frenché deux fois puis qu'elle a pas envie de sortir avec moi. Excuse-moi, mais ça se peut, là. Tu peux Frencher quelqu'un sans avoir le goût de sortir avec. Ouais, peut-être que je me fais des idées, dans le fond. Ouais, mais peut-être moi non plus, là. Mais juste pas mille façons de demander. Hé, hey, Sam, finalement, ça marche pour ce soir. Mon père vient de me confirmer qu'il rentre tard. Mais ça, y a pas mille façons, tu sais. Mille façons de? Rien. On demandait à une fille de sortir avec. Ah, ben, là, ton frère du party? Ouais. Ça prend encore avec? Non. Ben, si j'étais toi, moi, je lui demanderais pas, là. Comment ça? Parce que c'est beaucoup trop humiliant si elle dit non. Regarde, si tu dis, écoute, je veux mettre ça au clair, je préfère qu'on soit amis, là, tu vas avoir sa réaction. T'sais, si elle fond en larmes, tu vas savoir qu'elle avait un kick sur toi, puis tu pourras dire, non, je disais ça parce que j'avais peur de te perdre. Puis si jamais elle dit, ah, ouf, ok, moi aussi, je suis contente, moi aussi, je pense comme toi, ben là, tu vas savoir que ton chien était mort de toute façon. Mais au moins, tu te feras pas humilier. Non, mais c'est pas du tout la technique que t'as pris avec Emily au party, là. S'il a chanté une chanson d'amour. Non, les gars, la chanson d'amour, là, c'est quand t'es rendu un pro, tu sais. Tu sais, quand c'est rendu à ta quatrième blonde, je te dis pas, mais toi, t'es un débutant, là, faut y aller doucement. Non, pour vrai, là, c'est n'importe quoi. Attends. C'est pas fou ce qu'il dit. Quoi?
Ouais, pour vrai, c'est le pire conseil que j'ai entendu de ma vie. Okay. Ça sauve la face dans les deux, quoi. Oui, exact. C'est gagnant-gagnant. Oui, c'est aussi super hypocrite pour l'autre fille. Hein? Non, regarde, fais-toi sur moi, ça marche à tous les coups. Je l'ai assez fait avec mes premières blondes. D'accord, moi, même, hein? Toi, moi, les filles, ça va être nice, là. Hein? Ouais, je sais, là. Bien, on a déjà parlé avec Dali. Tout le monde triple, sauf moi. Je trouve ça plate. Tu vas l'aimer combien de temps, Carl? Puis toi, tu vas l'aimer combien de temps, là? Comment vous faites, là, pour le sentir? Moi, je suis pas capable. J'ai dû parler de la soirée. Hmm? Ok, je vais faire un petit effort, là, mais... Je te jure, hein, s'il me niaise encore, moi, je m'en vais. Ou encore mieux, lui, il part. Ça m'étonnerait que ce soit lui qui parte. Comment ça? C'est un petit peu chez lui, finalement. Non! Ouais! Chez lui? Ouais! Ben voyons donc, comment ça tu m'as pas dit ça, Sam? Regarde, ça fait des ans que j'essaie de faire un speech sans cœur au cause de la réponse. Oh, ok, pis ça a l'air que ça marche pas, c'est rendu que c'est lui qui organise. Je sais. Non, moi je peux pas aller chez Carl, ça c'est vraiment trop me demander. Mais lui, pas, je t'ai rien demandé non plus, ça est plus simple. Alors, je m'excuse, Sam, c'est pas toi, là. Tu sais que c'est pas de ta faute à toi, là. C'est lui qui me rend de mauvaise humeur. Là. On va pas se poigner à cause de lui, ça le rendrait bien trop heureux. Regarde-nous. Je vais essayer de ramener le souper ici. Correct, ça? Ça va être au moins payant. Mais si je fais ça, tu viens? OK. Pour vrai, là. Hein? Je veux vraiment t'aider, là, mais faut que tu fasses un bout aussi. OK, OK. C'est chez toi, c'est correct. Pour vrai? Parfait. Hey. As-tu entendu parler du souper organisé par Samuel et Diego? Non, c'est quoi? Ben, c'est un souper de couple. Ils vont là avec leur blonde. Il y a même Carl et Emily qui vont être là. OK. Puis je me demandais si... Ce serait peut-être le fun d'y aller ensemble. Qu'est-ce que t'en penses? Peut-être, mais... C'est pas juste un souper avec des couples. Ouais, c'est ça qui est embêtant. J'ai quelque chose à te dire. Ouais, ça tombe bien parce que mon Steve. Ok, ben, vas-y en premier. Non, toi, vas-y. Non, vas-y, j'irai après. Ben, c'est toi qui voulais commencer. Non, je voulais vraiment pas commencer, là. Non, moi non plus. Ok, ben. Ce que je voulais te dire, c'est que. À propos du party, on s'est embrassés. On est peut-être mieux de rester des amis? Oh, tellement, Théo, là, c'est tellement ça que j'allais dire, en plus. Ah, c'est vraiment cool. Ça va, Théo? Mais non, là, je t'ai dit niaiserie. J'ai suivi un conseil de cave, là. C'est pas ça que je voulais te demander. Ce que je voulais te demander, c'est si tu voulais sortir avec moi. Ben, je préférais qu'on reste amis. Ça veut dire non, ça? Ouais. Ben, non, je... Ça veut dire non. Mais les French... Ben... C'était pour s'amuser. S'amuser? C'est quoi, tu me trouves drôle, là? Tu trouves que j'embrasse bizarrement? Mais non, pas drôle dans ce sens-là. Je veux dire... Ben, j'aimais ça. Pis, ta voix super bien, tu sauras. Ah ouais? Oui, vraiment. Merci. Toi aussi. C'est plate parce que... Si t'avais dit oui, on aurait pu aller souper avec les autres chez Samuel. Ouais. Pour que je croise Rose. Laisse faire. On est ben trop chicane. T'as été content, j'ai réussi à ramener le souper chez nous. Oh, ouais. C'est cool, mais ce qui aurait été le fun, c'est qu'on puisse se débarrasser de Carl. On peut pas tout avoir. Bon, parlant du loup, hein? Tu peux essayer l'ouvrir parce que je... Ouais, il y a plein de roues. Hey, c'est les égaux. Vraiment cool que tu sois venu. Émilie, est pas là? Non. Elle est occupée, là. Elle doit souper avec sa grand-mère qui a débarqué sans prévenir personne. C'est plate, hein, mais... Ben, je sais pas, c'est juste parce que c'est un souper de couple. Ok, mais tu veux quand même pas me rejeter juste parce que ma blonde est occupée. Au pire, je vais emprunter la tienne, hein? Ça va me rappeler des souvenirs. Oh,
pense pas, non. Hey, t'as pas ta petite sacoche de femme, toi? Sacoche de quoi? Je sais pas, apparemment tu trouvais ça trop fifille, vu que tu l'as ramené au magasin, ou... Comment ça, tu sais ça? Ah ben, j'ai plein d'autres affaires aussi. Tu sais, c'est bien instructif, là, le petit bloc de ta blonde. Hey, man. Hey, salut tout le monde. Hey. J'ai apporté une petite entrée, comme promis. On l'a pas noté, lui, encore? Combien? Pas plus que deux, certains. Et boy, je pense que c'est la plus basse note qu'on a eue. Quelle part? Je sais pas, là, ils s'amusent à noter les gars depuis tantôt. Béa, je peux-tu parler? Oui. Béa, c'est quoi l'idée d'étaler notre vie privée sur ton blog? Ah, quoi? J'étale rien. Je veux juste dire à quel point que c'est le fun de sortir avec toi. Mais c'est parce que t'as même parlé de la sacoche. Pis ça, je vois pas ce que le problème de parler d'une sacoche. Ben, c'est parce que ce qui se passe, c'est qu'après, les autres, ils niaisent avec ça, pis les autres, on passe à voir ça, c'est notre vie privée. Non, mais notre vie reste privée, là. Je dis pas tout. Ben, j'espère. Moi, je trouve que t'en as déjà trop dit. J'ai du fun à écrire sur ce blog-là. Pis les gens aiment ça, lire ce que j'écris. Oui, c'est normal, parce que c'est tous des voyeurs. T'exagères un petit peu, là. Non, pas tant que ça. Ça te fait pas plaisir quand Ali dit que t'es le chum idéal? Non, ça me fait pas plaisir parce que c'est pas vrai. C'est quoi, c'est pas vrai? C'est pas vrai, parce que ce que t'écris sur ton blog, c'est exagéré, là, ça n'a pas rapport. Tout ce que j'écris, c'est vrai? Si je l'écris, c'est parce que je le pense? Le souper va être prêt, là, on monte? Non, vas-y, moi, je vais rentrer. Pourquoi? Parce que il y a Karl. Il va continuer de me niaiser, puis là, il a lu le blog, en plus, je suis plus capable. On s'en fout de Karl. Vous, peut-être, mais pas moi. Je suis désolé. Attends. Diego, me parle. Ça va? Ben. Je veux juste dire que je m'en vais, là. Je suis en train de me faire écœurer. Ok, regarde. Attends. Regarde. Non, je t'en fous. Laisse-moi faire. Regarde là. Ce que je voulais faire au début, moi, je suis un souper avec Diego et Béa. OK? T'étais pas supposé être là. Émilie était pas supposée être là. Là, en plus que tu t'es pointé sans ta blonde, là. Puis à cause de tes jokes poches, Diego, il s'en va. Fait que là, je te donne deux choix. Soit que tu restes ici, puis tu t'en attrapes à propos de Diego et Béa, soit tu t'en vas. OK? Relaxez, les gars, là. Moi, je disais juste ça pour rire. C'est bien intense. T'as pas répondu à la question. Est-ce que tu restes ou tu t'en vas? Je vais rester, mais comme toi, de boire des jambes, man. Regarde. Une joke. Une remarque de trop, puis tu t'en vas. Elle a pas envie de rire, on dirait. Hein? C'est peut-être pas, c'était pas drôle. Ok. Je ferai plus de jokes, c'est tout. Je sais pas si c'est les filles ou quoi qui vont rendre de même, mais je les ai jamais vues comme ça, moi. Ça va? Et là? Hein? Tu as eu l'idée de mettre des chandelles? Ah, t'aimes ça? C'est moi qui ai eu cette idée-là. Ah, ben, un point de plus pour Karl. Ben là, pour des chandelles, exagère pas non plus. Ouais. Hey, yes, je suis rendu à 3 points, c'est ça? Ouais. On l'a compris, non, à vous. J'ai perdu ma vie. Oh, hey, peux-tu aller répondre, s'il te plaît? Oh, et voilà. Il faut que tu donnes un bec à la personne à gauche. Ah, salut, Charles. Ben là, ma personne à gauche. Hey, salut! T'as appris? Merci. T'es sûr que t'es pas là? Oui, je suis sûr. Hey! Salut! On a entendu dire que c'était ici le souper de couple le plus hot en ville. Ouais. Ben, qu'est-ce que vous faites là? Ben, mon vidéo, on est un couple. Ouais! Ouais! Bravo! Bravo! Mais non, mais restez pas là, je vais aller vous chercher des ice. On aurait peut-être dû prévenir, par exemple. Ah, voyons, on va mettre du piquant dans la soirée. Mais depuis combien de temps, là, vous sortez ensemble? Bon, 3 heures. Ouais. Oh, mais c'est plus récent, hein? Ouais, on peut dire ça, ouais. Ah, mais bougez pas, je vais vous servir un petit peu de salade. Bon, comment ça? C'est qui a fait ces salades-là? C'est moi qui ai fait ça, c'est orange épinard. Ah,
parce que de ce talent-là, on peut... Ah oui, je te dis, j'en ai plein de talents, là, pas juste ça. Wow, ben, je pense en faire un autre point de plus pour Carl. Pourquoi? Ben, t'exagères, là, même pas bonne, sa salade. Oui. Attends, d'abord, ma salade est très, très bonne, et en plus, je suis rendu à 4 points, et la soirée ne fait que commencer. Non, non, mais pour vrai, ça me tape ses mains, les points, là. Ben non, c'est pas ça, là, je suis en train de gagner des points, là. Ouais, on est fun. C'est quoi les critères pour avoir des points? J'en ai pas depuis tantôt. Ben, ça dépend. Pour Carl, c'est scientifique et prouvé, puis pour les autres, ben, c'est des impressions. Ouais. Puis le 10 de Diego, tantôt, c'est quoi ça? Ah, oh. Oh, ça, c'est parce que je suis vraiment trop hot. Ouais. Hein. Mais ça, vous pouvez pas comprendre, là, je pense. Bon. Mais non. Oh! Hey, en tout cas, ça se fait au bloc des tableaux, non? Quatre. C'est. Quatre. Excuse-moi, j'arrête. Ah, non, mais je faisais juste niaiser. Mais toi, abeille, hein? Combien tu les donnes à ton chum? Oui. Je donnerais. Je pense que tu peux leur dire, là. On peut peut-être attendre un petit peu. Oh, on a assez niaisé. De quoi, là? On vous niaise, là, on s'en passe ensemble. Mmh. Ben, oh. C'est quoi le truc de faire semblant, là? Ben, on avait envie de souper avec vous autres, puis comme fallait être en couple, ben, c'est ça. Ça ne faisait rien. Mais ça ne nous empêche pas de Frenchie, par exemple. Oh! 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 Il y a Frenchie! Oh! 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 Oh, ouais, ouais, ouais. Non, ouais, non, pas ça. Ah, ok, Béa Diego maintenant. On va aller chercher les ustensiles. 200. Ouh, c'est qui? Oh, wow. Oh. 200. C'est elle qui voulait pas. Non. Mais c'est ok comme ça. Juste ça. Oh, ben, 200. Non, 200. T'es déçu? Non, ça va. C'est bon, non? Non. T'sais, au moins, t'as toute une réputation de Frencher, hein? Je trouve que l'orange, ça ajoute un petit goût subtil. Allô? Salut! Oh, wow! 77 personnes! Pas pire. Excuse-moi, Béa, je suis pas mal préoccupée aujourd'hui. Mais tant mieux pour ton blog, hein? Tu veux dire, tant mieux pour toi. Comment ça pour moi? Parce que je t'ai fait une page sur mon blog. Ça s'appelle « Pourquoi il faut voter pour Dali ». Le message est clair. Ce sera pas trop, parce qu'avec les impressions que j'ai aujourd'hui, c'est pas fait. En tout cas, 77 personnes ont déjà lu les raisons pour lesquelles il faudrait voter pour toi. Hein? Mais c'est pas 77 étudiants d'école, ça sert à rien. Mais on le sait pas. Mais justement, on le sait pas. OK, mais gars, je vais demander aux gens qui laissent des commentaires, comme ça je vais pouvoir imprimer la page puis l'installer dans les couloirs. Mon Dieu. C'est vraiment efficace aujourd'hui. Ouais, attends, je le fais. Voilà. Puis en plus, ben, j'ai eu une grosse discussion avec Diego. Je pense que je vais rendre mon blog un peu plus sérieux. Fais une note sur les gars? Non. J'aime mieux laisser de la place pour ben, ma lettre d'élection. Comme ça, mon blog sera plus utile. T'es fine de faire ça pour moi. Merci. Je fais pas ça pour toi. Je fais ça pour nous. Mm. Parce que je suis convaincue que tu seras la meilleure présidente du monde. Go, Dali, go. Go, Dali, go. Go, Dali, go. Go, go.